Alerte, 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 alerte. Alerte, 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 alerte. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Que les dieux du Congo ça se réveille. Alerte, 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 alerte. Alerte, 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 alerte. Mafola, la police est en train de chercher qui comme ça. Francis Bemba. Regarde le coco, il vient là-bas. Pas Bemba, si tu veux faire ça, ma Bemba va s'asseoir sur toi. Je ne tente même pas ça. Ouais, maintenant, on est là. Mais tu es mal là. Quoi? Mais tu es mal là. Je vais poser mes fesses sur toi. Mais mon frère. Hey. Ne nous mets pas la honte. Si Francis le Congolais, il essaye. Hein? On va le traquer, même à Paris. Coco Emilia, tu ris quoi? N'est-ce pas, Pam Femba, c'est ton mari? Oui. Est-ce que je suis en train d'entendre des hauts que tu es très très fâché parce que depuis 6 mois, Pam Femba n'est pas venu chatouiller ton mouillon? Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Oui, oui. C'est aussi vrai que tu as enlevé toutes ces photos dans tes réseaux sociaux? Oui. Bon, est-ce que c'est vrai, vrai qu'il a fui le mariage? Oui. Donc il est recherché au Cameroun pour abandon de foyer? Oui. On peut faire ça? Ouloulouloulou, maman, les Congolais. Les Wolais. Quoi? Les Congolais sont les Wolais des qui? La profession des Congolais d'abord, c'est les grands menteurs. Mais, et vous les Congolais là? Ils ont là qui m'encassent, moi, vous avez besoin de mon coso. Vous avez besoin de ton coso, vous avez besoin de la coco et mille là-bas. Hein? Vous avez besoin de ça? Eh oui! Le lingala, c'est la langue internationale de l'escroquerie. Ça, c'est clair. Faux passeport congolais. Ça, c'est clair. Faux document congolais. Ça, c'est clair. Manger l'argent dans la cave congolais. Non, Amé Kamé, je ne suis pas d'accord. Attends, je demande d'abord à Coco Emilia. Coco, est-ce que ce que Amé Kamé et Flor Denis sont en train de dire là, frère? Point d'interrogation. Oui, j'ai été abusé. Mais, ton affaire, ça me dépasse. Bon, Coco Emilia, tu sais, c'est ton mari. Et vous vous êtes marié pour le meilleur et le pire. S'il arrivait que Francis Vemba prend la décision de faire ma charrière, donc il décide de rentrer à la maison. Est-ce que tu dois encore l'accepter? Non. Ma Vemba, tu vas que supporter. You just supporter. Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu vas seulement supporter. Ok maman, je respecte ta décision. Je voulais juste voir si je peux arranger. Ah mais quand même, tu sais qu'il a fui pour aller où? Il est en Côte d'Ivoire avec son ex et les deux moulins. Dis-moi quelle est la femme qui a réussi à rendre congolais ici dehors. Point d'interrogation. Mais Améka, mais c'est pas un problème des Congolais. Ça, c'est un affaire qui est entre Coco Emilia et Monsieur Vemba. Laissez un peu les Congolais tranquilles, ne parlez plus d'eux. Ne tente même pas. Tu comprends, non? Tu comprends? Quand on ne parle pas des Congolais, on va parler des Congolais. Tu as compris, non? Un Congolais vient exploiter notre soeur. Vient mentir à une femme amoureuse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, 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 non. Quelqu'un qui ment, tu tapes Google, tu ne vois pas son CV, il dit qu'il est effacé. Il vient mentir notre soeur. On peut faire ça? Ouais, ça c'est très bien. Mais demain, faut, pourquoi tu fais de ça un problème personnel? Tant Coco s'est marié, de la façon que je me vantais avec. Fais qu'amener, que Dieu vous garde. Wow, je n'ai pas dormi, hein. J'ai rêvé, il a dit que je voulais me marier. Quelqu'un qui a fait en sorte que j'espère être amoureuse. N'importe quoi. Le mariage là m'a fait rêver. Le mariage là m'a fait rêver. Le mariage là m'a fait rêver jusqu'à... Vous avez vu le premier jour du mariage? Quand la fille regardait le gars, maman, tu vois comment les yeux scintillaient. Les yeux brillaient, tu sentais que non, il y a l'amour. Donc, ou pas Vemba, elle a la cire, même pensé, fille partout, partout. Tu vas seulement supporter le mariage là. Vous avez dit que c'est jusqu'à la mort, non? Ça va... Vous voulez tenter? Vous allez commencer comment? Je m'interroge. C'est que nous-mêmes, on va prendre, on va te coucher, on va prendre pas de main, on va mettre sur toi. Ah! Oh, maman. Coco Emilia, ton affaire est très, très sérieux, hein. Mais dis-moi un peu, tu le veux plus vrai, vrai? Oui. Et c'est toi qui as enlevé ces photos dans tes réseaux sociaux? Oui, oui. Ok, je propose qu'on l'envoie donc en Côte d'Ivoire pour qu'il aille retrouver son ex là-bas. Tu trouves ça comment? Oui, oui. La mille attaque, ma flotte, la prends-le. Qui la... Toi, tu vas le laisser, qui va le prendre? La carte de faire souffrir avant lui ne le sait jamais de la vie. Reste ton pamphleteur de milliardaire. Nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour supporter ça. D'ailleurs, on a trop souffert, c'est l'autre. 007 là-bas. Tu vas pas venir encore le libérer. Et puis, l'autre va venir souffrir encore. Non, non. Non, non. Reste ton milliardaire. Parce que ce milliardaire, ça là, nous, on ne le veut pas. Nous, on ne veut pas ce milliardaire là. Toi seul, c'est ton milliardaire. Reste lui. Adama, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu nous as montré la rose, le rose. Tu nous as montré le bonheur hier. Tu ne vas pas venir t'asseoir ici et puis donner raison aux gens. Tu vas pas venir t'asseoir ici et puis permettre aux gens
de venir mettre sa bouche dans votre relation. Non. On va pas trop défendu. Moi-même, je fais direct pour toi ici, Coco Emilia. Pour dire, oh Seigneur, Dieu merci, ils ont marié Coco Emilia. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour mon lecteur. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football. Rodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui con? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui con?